On est avec David Alexandre. David, vous présentez Babyloumax après une course de rentrée, après quasiment 5 mois d'absence. Vous l'avez trouvé comment cette tentative de rentrée, début juin? Bien, très bien. Le cheval, beaucoup de gaz. Il avait fait pas mal de piscine, on avait travaillé très peu. Le cheval était bien. Bon, c'était rentré, on a couru tranquille. Là, on va courir caché, pareil, serré, caché. C'est pas un objectif. Le cheval, il faut qu'il y ait une course sans plus dans les pattes. Et par chez nous, on n'a rien à courir, donc on est obligé de monter à Paris. Bon, Ferry, il a quand même déjà fait des belles valeurs. Hein. Ouais, mais là, on va courir caché. Hein. Je pense pas que. C'est pas un objectif. Hein. Tout de suite, on va pas prendre une petite place, mais pour la gagner et tout, faut oublier, à mon avis. Oui, pourtant, il a montré pas mal de qualité. Il a encore de belles choses à faire avec 400 000 euros de gains, mais. Oui, bien sûr. Non, mais c'est juste que c'est pas un objectif. C'est juste que je parle. Il n'a pas été revu, bah, il a fait ça à la course de rentrée, mais pas avant il n'a pas été revu depuis Cannes, donc il a été arrêté. Donc à ce niveau-là, il faut qu'il ait des courses dans les pattes pour être à son niveau. Donc le cheval est loin d'être à 100%, mais ça lui fera du coup une course de plus. Mais voilà, quoi, on vise vraiment une cinquième place. Et voilà. Après, si ça se passe mieux, on va pas y avoir de prendre de l'argent, surtout pas. Mais je pense pas qui sera mieux que ça après, on verra bien. Quels peuvent être ses objectifs, une course comme Vichy, le Grand Prix du Conseil Municipal, ou d'autres objectifs à Cannes? Non plus Vichy, non, parce que c'est pas un droit de chier, il a été engagé un peu partout, mais non, après ça sera Cannes, après il a des courses à Cannes, donc on restera sur Cannes, et puis bon, après bien sûr, s'il a des belles courses, mais après ça sera à Cannes, après il y a des belles courses à Cannes.